que vous avez déjà entendu parler du concept de santé-environnement ou de santé-environnementale? Vous le savez sûrement, mais notre santé et notre bien-être sont intimement liés à l'état de notre environnement. Eh bien, c'est ça la santé-environnementale. C'est ce lien, l'influence de notre environnement sur notre santé. Cette semaine, on va vous présenter ce concept et vous illustrer ce lien. Durant les 4 prochains jours, nous allons suivre notre ami Terry dans sa vie quotidienne. Mais qui est Terry? Notre ami Terry partage le quotidien de bien d'autres personnes. Il habite une maison coquette à la périphérie d'une petite ville. Il travaille à la capitale où il se rend chaque jour en train. Terry habite près de l'autoroute, ce qui fait qu'il a parfois tendance à prendre la voiture pour aller au boulot. Récemment, Terry a réaménagé et remeublé son intérieur. Il a repeint toutes les petites pièces de sa maison pour la venue du petit. Tout proche de sa maison, on retrouve une antenne GSM et malheureusement une ligne à haute tension. Régulièrement, des avions survolent la maison de Terry, mais heureusement, pas trop bas. Comme nous tous, Terry est quotidiennement exposé à des menaces invisibles qui proviennent de son environnement extérieur ou intérieur. C'est ce qu'on appelle la pollution environnementale. L'Organisation mondiale de la santé estime que la pollution environnementale est responsable d'un mort sur 4 dans le monde. Durant les 4 prochains jours, nous allons suivre Terry dans son quotidien. Chaque jour, nous allons vous présenter un nouveau type de pollution auquel Terry est exposé. On parlera notamment de la qualité de l'air intérieur et extérieur, du bruit et des ondes électromagnétiques. Comme Terry, nous sommes tous exposés à ces menaces invisibles sans forcément être conscients de l'impact que ces polluants ont sur notre santé. Heureusement, des solutions existent pour garantir à tous une vie de meilleure qualité. Suivez-nous pour en apprendre plus sur les bonnes pratiques qui améliorent l'environnement et notre santé.